Je vois qu'une fille est dans les nuages. Hey. Disons juste que j'ai eu une très bonne journée au travail. Ah. Pas après ce que mes yeux viennent de voir là à l'instant. Ce que tu as vu, oh, que veux-tu dire? Je vous ai vu tous les deux en train de vous amouracher. Ok, tu dois enlever la poussière dans tes yeux. Quelqu'un ici a une relation extra-professionnelle avec son boss. Ok, tu te trompes sur toute la ligne. Disons juste que mon boss me trouve rusée et brillante. Ah, et encore, je m'applique dans tout ce que je fais. Ah, Amanda, tu n'es pas en train de me dire la vérité. Elliot t'a invité à sa fête d'anniversaire ce week-end. Ouais, mais je n'irai pas. J'ai un séminaire très important sur lequel je travaille avec mon boss. Et en même temps, je dois le représenter à un séminaire ce week-end. Bla, bla, bla. Sandy, mais tu sais très bien que j'ai trop de travail. Pas vrai? Je n'ai pas de vie pour la socialisation, ma puce. C'était quand la dernière fois que tu t'es amusée? Sortir? Et qu'est-ce que c'est? Non, je ne sais même pas ce que ça signifie. Et si tu lui posais la question demain quand tu iras au travail? D'accord, écoute-moi bien. Le travail et le plaisir sont deux choses que je ne mélange pas. Donc ta relation avec ton patron est juste professionnelle, sans aucun avantage, tu en mandat? Rien de tout cela. Il est la personne la plus appréciable que je n'ai jamais rencontrée. Il est très reconnaissant que j'ai fait un très bon boulot, gagné des contrats, et très patient depuis que j'ai rejoint la compagnie l'année dernière. Je comprends. Oui. Tout homme veut une femme douée et intelligente à ses côtés. Et il t'a donné le feu vert. Tu ferais mieux de préserver ta place, ma puce, avant qu'une autre fille ne vienne prendre le relais. Tu es très beau, folle Sandy, je le jure. Mais c'est juste une relation entre employeur et employé, c'est tout. Réponds à l'appel. Écoute ça. Décroche. J'avais un gros poisson. Un très gros poisson demain. Alors, sache que... Oui, monsieur. Non, boss. Oui, monsieur. Non, non. Je travaille dessus. Je vous ferai le compte-rendu demain, monsieur. Si, ça ne sera pas un grand challenge, tu sais. Oui, nous avons de très bons clients. Pour la première, je suis perspicace. Tu sais, tu m'auras droit. Ma motivation est ma facilitatrice. S'il te plaît, ne me lâche pas maintenant. Je ne le suis pas, monsieur. Je dis juste que nous devons être plus que prêts. Mais je sais que nous l'aurons. Ah, ça c'est bien. Nous devrons parler lorsqu'on sera, d'accord? Demain est un autre jour, ok? D'accord, monsieur boss. Eh bien, bonne nuit. D'accord, monsieur. Bonne nuit, monsieur. Sandy, Sandy, tu sais qu'on peut parler, pas vrai? Chiquet, j'en ai terminé avec toi et tout ce qui a à voir avec cette relation. C'est quoi exactement le problème? Tu veux bafouer 3 ans de relation juste comme ça? Ne complique pas les choses, s'il te plaît. Là, tu fais pire en me rappelant combien de temps j'ai fait dans cette relation. Sandy, c'est quoi exactement le problème cette fois-ci? Chiquet, je ne suis pas ta mère. Je suis Sandy. Sandy! Sandy, je sais. Tout ce que je demande, c'est juste 2 semaines avec elle et laisse-la t'apprendre comment devenir une femme vertueuse. Ta mère et moi, nous ne sommes pas de la même génération. Peut-être que je ne suis pas la fille ou la femme que tu recherches. Ta mère et moi sommes 2 personnes différentes, 2 personnes complètement différentes. Je sais. Bien sûr que je le sais. Tu sais bien que je suis son seul enfant, je ne pense pas que c'est trop demandé qu'elle veuille un enfant avant qu'on ne se marie. Et si après tout ça, tu ne m'épouses pas? Tu deviens quoi, une mère célibataire, hein? Non, je te le promets, je vais être le meilleur papa que tu n'aies jamais imaginé. Je ne serai pas un papa
absent. Il y a plusieurs filles qui vont sauter et être intéressées par ton offre. Désolée, mais pas Sandy. Qu'est-ce qui ne va pas? Hey! Où es-tu? Je suis encore au bureau. Tu sais qu'il est déjà 8h du soir. Oh mon Dieu, je ne me suis pas aperçu qu'il se faisait si tard. Je serai en chemin bientôt. D'accord. Monsieur, il se fait déjà très tard. Oui. Eh bien, nous allons finir ceci. Monsieur, est-ce que ça veut dire que nous allons passer la nuit au bureau? Et si on allait chez moi? Votre maison. Pourquoi, Thierry? Tu sais que chez moi est plus en sécurité, ben bien, ouais. Bien sûr que je le sais. Je me demande juste si je vais prendre congé demain. Ce n'est pas encore fini, donc tu dois encore travailler demain. Ça. Je suis désolé. Ça veut dire que je vais remettre la même tenue. Qui essayes-tu d'impressionner? Oh. Désolé, je ne voulais pas dire cela. Je veux dire, ces vêtements dont tu te soucies tant, tu ne devrais pas te soucier de ce que tu portes ou de quoi tu as l'air. Ce n'est vraiment pas nécessaire et ça ne pose pas de problème. Et nous avons du travail. Je comprends, monsieur. Permets-moi de tout arranger. D'accord, je serai dans la voiture. D'accord, monsieur. Très bien. À tout à l'heure. Oh. Allô? Tu veux que je vienne t'ouvrir la porte? Non, changement de plan. Je vais rester avec mon boss. J'aime déjà la tournure que ça prend. Attends, vous allez passer la nuit au bureau. Tiens, Amanda, votre bureau a une maison d'hôte. Non, nous allons chez lui. Et nous avons une présentation demain. C'est juste... C'est bon, épargne-moi d'une autre explication. Amuse-toi bien, ma puce. Sandy, tu sais qu'il ne s'agit que du travail, non? Écoute-moi. C'est ta dernière chance. Ne la gâche pas, oh. Fais honneur à tes ancêtres avant qu'ils ne te renient. Peux-tu un peu arrêter? Je dois te laisser. Ne t'inquiète pas, assure-toi juste de rentrer tard. D'accord. Salut. Bonjour. Comment tu vas? Je vais. Voici ce que j'ai apprêté pour toi. Merci. Je t'en prie. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé pour t'assister? Ah, allez, ce n'est pas grand-chose. En plus, tu es mon invité et je ne voulais pas te déranger. Merci. Tu es vraiment un gentleman. Ah, pour ma femme qui traite chaque homme de goujat, je dois dire que ce compliment doit librement atteindre tous les hommes. Tu sais vraiment comment bien faire certaines choses. Merci. Ah, tu es ma privilégiée. Qu'est-ce que je ferais bien sans toi? Tu es pour moi comme une lampe qui me guide chaque jour. Avec ce genre de compliment, tu peux faire mourir quelqu'un jeune. Ah, tu sais, je dois te laisser manger. Tu ne vas pas me rejoindre? Non, t'inquiète. D'accord. Bonne nuit, monsieur. Bonne nuit.
Madame, qu'est-ce que c'est? Voici la 10e fois que tu m'appelles en 20 minutes. Tu calmes, ma puce. Je veux juste me rassurer que tu es en train de faire ce qu'il faut, hein? Eh bien, Madame le coach, il vient juste de me faire le dîner. Ouais. Écoute, quand tu finis de manger, prends un bain et va t'allonger sur son lit. Et assure-toi que ton corps et tes jambes soient assez attirants. Est-ce que tu m'entends? Ne sois pas timide. D'accord, je vais voir si je peux pratiquer cela. Mais pour le moment, laisse-moi un peu réfléchir. S'il te plaît, au revoir. Ok, à plus tard, je te fais un texto. Bye. Oh. D'accord. Est-ce que tu vas bien? Je voulais me rassurer que tout va bien. Eh bien, je devrais être celui qui te le demande. J'étais sur le point de venir te voir. Ouais. Ouais, je vais bien. Je vais bien. Te voir bien. Je voulais juste me rassurer que tu te portes bien. Vu que tu vas bien, je retourne dans ma chambre. Ouais, tu peux être rassuré, tu sais. Ouais. Ouais. Tu es sûre que tu vas bien? Oui, je suis sûre. Ok. D'accord. Je suis sûre. D'accord, je... Ouais. Je suis un gentleman, ne l'oublie pas, hein? Oui. Je l'ai fait parce que je voulais me rassurer que ta tension, ton artérielle tension, ta tension artérielle est ok. Va bien. C'est ça. D'accord. D'accord. Oui. S'il te plaît, N'importe quoi. Quoi? S'il te plaît, puis-je te parler? Je ne serai pas long. Non. Thank you.
Et princesse, debout. Je t'ai apporté le petit déjeuner au lit. As-tu bien dormi? Bébé, tu n'avais pas à faire tout ça. Pourquoi? Merci. Veux-tu que je te nourrisse? Je le ferai avec plaisir, tu sais. Non, je préfère rendre mes mains utiles. D'accord, je te le dis. Alors je te laisse te régaler. Merci, bébé. Régale-toi. Où est-ce que tu vas? Je reviens, je vais prendre... Quelqu'une n'est pas surexcitée à l'idée de me voir. Je suis juste partie pour un jour. Est-ce que tu vas bien? Ma puce, tu sais que je n'aime pas t'embêter avec mes problèmes. J'étais un peu déprimée, mais maintenant ça va. Ça, c'est bien. Madame, j'attends toujours que tu me racontes. Hey, pourquoi est-ce que tu vas être aussi mystérieuse? Je veux d'abord de quoi manger avant de dire quoi que ce soit. Donc ton petit ami ne t'a pas acheté à manger? Excuse-moi, mon boss. Ton patron? Celui-là qui t'appelle Chi au lieu de Chi Amanda. Celui qui te laisse porter sa chemise et t'apporte le repas au lit. J'étais chez lui. Nous travaillons juste. Alors, qu'espérais-tu? Écoute, ma puce, laisse-moi te dire, ce ne sont pas tous les hommes qui sont prêts à baisser la garde. En plus, il te montre très bien à travers ses actes qu'il a du béquin pour toi. Tu le penses? Oui. Mais il a juste dit que je suis belle, intelligente et douée. Et il dit que je suis la lumière qui brille dans cette direction. Mais qu'est-ce que c'est? Il s'en fout de ce que tu penses. Il sait que tu es une perle. Oui, je veux dire, regarde comment tu es belle. D'accord, tu dois te ressaisir. Il n'a encore rien dit pour le moment. Je pense qu'il aime, tu sais, prendre son temps. J'aime aussi ça. Écoute, pendant qu'il est en train de prendre son temps, tu dois aller faire des courses. Tu dois t'acheter de nouvelles perruques, des sacs, des chaussures. Tu dois ressembler à une boss lady. En fait, ce que j'essaye de dire, c'est que tu dois être la patronne. J'aime comment ça sonne, boss lady. Mais mon salaire ne reflète pas cela. C'est toujours de base. Il ne te donne pas d'argent. Voilà l'indice. Quel signe. Ma puce, il te veut pour toujours. Lorsqu'un homme veut une femme, il la soumet à plusieurs tests. Et ne pas lui donner l'argent en fait partie. C'est un test? Oui. Parce que ton homme t'aime. En fait, il veut t'épouser. Il t'offre des cadeaux et te donne également de l'argent. Ai-je dit quelque chose de mal? Je l'ai fait. Qui? Quoi? On a rompu. Monsieur le boss. Bonjour, chère Amanda. Oh, ça sonne bizarre. Tu sais, m'appeler par mon nom complet, tu m'appelles normalement Chi. Mais tu t'appelles Chi Amanda. Et ici est ton espace de travail. Juste pour te rappeler. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que c'est? Des nouvelles de la présentation, monsieur? Nous l'avons perdu. Oh, je suis désolée à propos de ça, monsieur. C'était juste du sexe. Que dites-vous?
Tu m'as forcé de coucher avec toi. Pardon? Monsieur, je ne vous ai pas forcé. C'était le moins que je pouvais faire pour que tu te sentes à l'aise dans mon entreprise. À part la présentation, j'ai compris. Je pense vraiment que ceci ne vaut pas la peine. Et de l'autre côté, je suggère que nous gardons notre relation strictement professionnelle. Ça te va, n'est-ce pas? Tu peux sortir. Nous avons eu tout faux. Comment n'as-tu pas pu voir cela? Je pensais que tu étais une pro. Je n'ai jamais subi ce degré d'humiliation de ma vie. Ma mère m'a mieux élevée. Mais non, ça ne semble pas l'être. Oh, arrête ça, Tiamanda. Arrête, ok? S'il ne peut pas te valoriser, alors ce que tu dois faire, c'est l'oublier. Je commence à raisonner comme un cœur brisé. Nous avons eu toutes les deux totalement tort sur toute la ligne. Oh. Écoute, c'est probable que nous nous soyons trompés, ok? Mais cela n'exclut pas le fait qu'il avait du Pékin pour toi. Je pense juste qu'il est une personne égoïste pour accepter la vérité. Et que vais-je faire de mon travail? Je ne suis pas prête à le laisser tomber car c'est le seul boulot que j'ai. Tiens, Amanda. Personne ne te demande de démissionner, ok? Dans ce cas, comment puis-je lui faire face? Mais tu viens juste de... Écoute, il faut que tu te mettes dans la tête que c'était une erreur. Et que tu n'as pas laissé cette erreur te définir. Je pense que si lui, il a pu trouver la paix malgré tout ça, pourquoi ne fais-tu pas pareil? Facile à dire quand tu n'es pas à la place de la personne. Oh. Madame, où est-ce que vous allez? Nous roulons depuis ce matin. Nous sommes arrivés à John Street. Où est-ce que vous allez? Ne vous fâchez pas, monsieur. S'il vous plaît, ramenez-moi. Et je vous ramène. Nous roulons depuis un moment. Très bien, je vous ramène. Amanda, qu'est-ce qu'il y a? Qu'y a-t-il? Allez, lève-toi. Allons à l'intérieur. Debout. Viens. Puis on va à l'intérieur. Allez, lève-toi. Pourquoi est-ce que tu pleures? Hein? Pourquoi est-ce que tu pleures?
C'est tellement injuste. Je me demande bien pourquoi tout ceci est en train de t'arriver. La raison pour laquelle ma vie va être détruite, mon avenir. Tiens, Amanda, ton futur sera radieux. Tu vas être mère. Oh mon Dieu. Une mère sans espoir. Ne dis pas ça, tu n'es pas Dieu. Sandy, je sais que tu essayes de me soutenir à présent. Mais si Dieu existe vraiment, tout ceci ne me serait pas arrivé. Et ça, tu le sais. Tu n'as pas besoin d'être triste. Être une mère est une bénédiction. Tu sais combien de femmes là-dedans voudraient porter le fruit de leurs entrailles. Mais je n'ai pas demandé ça. Je ne veux juste pas de ça, mais demain, je me bats fortement pour me nourrir. Ne parlons pas d'un autre être humain et d'un bébé de surcroît. Sandy, tu sais que je suis orpheline et tu le sais ça. Mais je n'ai personne qui pourrait m'aider. Comment vais-je m'en sortir? C'est la raison pour laquelle je pleure. Mais Dieu ne permet pas les souffrances pour que nous mettons un terme à notre vie. Peut-être qu'il sera content en apprenant la nouvelle. Et qui t'a dit que parce que tu auras un bébé, ta carrière doit forcément s'arrêter. Chi, même si le monde te rejette, je serai là pour toi. N'oublie jamais que les enfants sont un don de Dieu. Ma puce, tu n'es pas allée au boulot? Je n'ai juste pas envie de le voir. Mais ça fait déjà 2 jours. Et tu sais que tu dois lui parler de la grossesse, n'est-ce pas? J'ai peur de le faire. Tu sais, il m'a dit que j'ai foiré son projet. Juste parce qu'on a couché ensemble. Et maintenant, si je lui parle de cette grossesse, il va juste me planter un couteau dans le cœur. Oh, allez, je ne pense pas que la situation soit aussi compliquée que tu veux la faire paraître. Compliqué, c'est le mot juste. Jusque-là, Sandy. Je vais perdre mon boulot. Et je vais également le perdre. Si je lui dis ceci, je ne le ferai pas. Mais il n'a jamais été à toi. Eh ben, oui. Mais je l'avais comme un ami et un patron. Je peux imaginer l'expression de son visage si je lui parle de cette grossesse. Oh, je ne le ferai pas. Mais l'enfant va être le sien. Ça allait d'être le cas. Je reviens, je vais voir qui c'est. Yes. C'est Tiki. Oh, zut. Doucement. Je t'ai dit d'arrêter de m'importuner, ok? Là, le moment est mal choisi. Je veux juste savoir où nous en sommes. Tu m'ignores pratiquement. Oh, vraiment? Je ne suis pas seulement absente, mais inexistante. Comment peux-tu rejeter quelqu'un sans son consentement? Sérieux? Tout compte fait, c'est bien que tu sois seule dans cette relation, ok? Parce que ce que tu me demandes de faire, c'est ça qui a mis mon amie dans les problèmes. Actuellement, elle est enceinte de quelqu'un et elle a peur de le lui dire à cause du rejet. Ma chère, tu sais que je ne te rejetterai pas. Ou alors notre enfant. Ah, chérie, je ne serai pas ta mère porteuse. S'il te plaît, peux-tu faire ça pour ma mère, s'il te plaît? Non, mais... Tu t'entends parler? Je suis sérieux. Oui, très très sérieux. Il semble que ton amie est encore plus complaisante que soumise. Elle semble être une femme mariable. Tu es vraiment un imbécile. C'est fini pour toujours. Rita. Ah ah!
Salut. Salut. Qui Amanda, t'es là? Bien. Puis-je entrer? Oui. Merci. Pourrais-je m'asseoir? Alors, comment tu vas? Je suis en vie, comme tu peux le voir. Tu sais, tu n'as pas eu ton travail depuis 2 jours. Je veux dire, j'essaye de te joindre, mais ton numéro ne passe pas. Je sais. Quoi? Tu veux m'éviter? Y a-t-il quelque chose que tu ne dis pas? Je ne sais juste comment lui dire. Bien, dis-le juste. Laisse juste les mots. Collez ta bouche et tout ira bien. Désolé. Qu'est-ce que c'est? Je suis enceinte. Mais ça ne devrait pas t'empêcher de venir au travail. Ce n'est pas cette question que j'attendais de toi. Qu'espérais-tu aller? Je ne comprends pas. Ce qu'il y a avec cette génération, ni la faiblesse, tu sais, tu es enceinte. Rien n'est sûr. Si le bébé bouge ou ne bouge pas, alors tu peux... Peux-tu arrêter? Je suis enceinte de toi! Enceinte de moi? Comment? Comment quoi? Comment quoi est possible? Parce qu'on n'a couché qu'une fois? Les mêmes rapports dont nous n'avons pas vu. Je te demande pardon. Mais c'est vrai, nous n'avons pas... Je veux dire, nous n'avons pas atteint nous n'avons pas atteint l'orgasme. Je veux dire... Ça ne peut pas te faire tomber enceinte. Allez. Tu es tellement cruel. Écoute. Tu es celle qui instigait l'acte sexuel. Pas moi. Donc, je sais que ça ne peut pas être mon bébé. Je suis un homme catholique qui est sur le point de se marier avec sa fiancée. Et elle arrive au pays à tout moment. Nous sommes supposés tout régler en fin d'année. S'il te plaît, Chiamanda. Je ne pense pas que ce soit prudent pour nous d'être vus ensemble. Tu sais les affaires, je peux les gérer. Tu peux travailler à partir de la maison. Eh bien, je te soutiendrai. D'accord. Ou alors tu peux prendre un congé pour prendre soin de toi. Et ta grossesse, bien évidemment. Oui. Tu sais quoi? J'y ai repensé. Tu vois cette histoire de bébé venir au bureau et t'enceinte. Et tout ça, ça ne marchera pas. Tu y es renvoyé. Je suis vraiment désolé. Non, juste le stress du boulot. Tu as besoin d'un bon remontant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des vacances, tout seul. Tu sais quoi? Je passe en mode vidéo. Chi! Qu'est-ce qui ne va pas, hein? Depuis hier, tu n'es pas sortie de ta chambre. Mais c'est quoi cette... Oh, Seigneur. J'ai déjà oublié de chasser après toi. Ce n'est pas aussi grave, s'il te plaît. Ce n'est pas aussi grave. Je t'ai dit que tu peux compter sur moi. J'ai juste envie de me suicider. Non, ne dis pas ça. J'ai juste envie de te laisser tomber. Ne dis pas ça. Sinon, je vais te frapper pour...
C'est une bénédiction de porter une vie en soi. Considère ça comme un privilège. Tu as une vie innocente qui est en train de grandir en toi. Et si tu mets un terme à ta vie, tu prends toute une génération avec toi. Comment me suis-je fourré dans cette merde? Non, franchement, comment me suis-je fourré dans ce putain? Comment me suis-je moi-même détruite? Comment? Écoute, nous allons vaincre ça ensemble, ok? Nous allons trouver une solution à ça, d'accord? Nous allons trouver la solution ensemble. S'il te plaît, laisse-moi t'aider. S'il te plaît, essaie d'être forte pour nous. Sais-tu même quelle heure il est? Il ne se fait pas encore tard. Il est juste midi. Ce n'est pas ce que je veux dire. Quoi? Sais-tu dans quoi? Sais-tu dans quel pétrin je me suis fourrée? Sais-tu même ce qui va arriver à ma vie? Tu m'as imaginé? Il ne va rien t'arriver. Hein? Rien n'a changé. Tu es toujours cette belle Tiamanda que je connais. Intelligente, douée, travailleuse. J'y crois, rien n'a changé. Ce que je sais, c'est qu'un avenir radieux t'attend après cette étape. Et à présent, ce que tu vas faire, c'est entrer là-dedans, prendre un bain, t'habiller et toutes les deux, on va sortir. Et bien sûr, je veux que tu tires la chasse. Il y a l'odeur partout. Ta lait me puce. Viens. Allez. Pendant ce temps, je te choisis un vêtement, ok? Tiens, Amanda! Désolée. Le chauffeur de taxi est déjà là. Pas encore. C'est pourquoi j'essaie de la voir, mais la connexion est lente. Ah, ici, on marchait un peu en attendant. Allez, viens. G? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Désolée. Hein? Ça va. Désolée. Ça va. Hein? Ça va. Ok? Oh. Ça va. Regarde en quel gâchis ma vie est. Non, ce n'est pas grave. Qu'est-ce que je dis? Chi! Madame, cet endroit n'est pas un hôpital. Je sais.